tout au nord du département de l'Allier, un autre e-commerçant et un son de cloche bien différent. Nous sommes chez Oups Model, entreprise familiale spécialiste du modélisme. Notre activité, c'est la vente de maquettes. Aujourd'hui, on a 55 000 références en stock. On vend de la maquette militaire, avions, bateaux, voitures, motos, tout ce qui se fait en bois, plastique, nous l'avons disponible à la vente. Et principalement sur Internet. À 99% sur Internet, oui. Et avec 30 000 colis par an, c'est un succès. Sauf qu'il y a un problème du côté de la connexion Internet. On a une connexion qui varie suivant le nombre d'utilisateurs, on va dire, sur la ligne. Suivant le temps qu'il fait. Quand il fait humide, la connexion est beaucoup moins bonne que quand il fait beau. Et également, quand on est au téléphone, on a des problèmes de ralentissement. Ce jour-là, le débit est d'un méga en réception et 10 fois moins en émission. Selon les critères de la région, c'est du haut débit. Mais en 2015, et pour une entreprise du web, c'est un handicap. Pour l'administration du site, par exemple, on met un temps fou pour remettre des articles en ligne, pour faire des nouveautés. On a une quinzaine de nouveautés à mettre environ par jour qu'on reçoit. En temps normal, il nous faut une trentaine de minutes pour mettre une nouveauté en ligne. Et quand la connexion est mauvaise, on peut mettre jusqu'à plus d'une heure. Le problème vient de la ligne qui est pourrie. On n'y a pas peur des mots. Il y a des manchons partout, elle passe dans les arbres, elle est comme ça toute la longueur, après elle passe en souterrain, on est en bout de ligne, c'est l'horreur. C'est un véritable handicap pour votre activité, cette connexion ? Ça devient de plus en plus un handicap. On est 5 aujourd'hui à plein temps, on pense à recruter une 6e personne, mais le problème est que vu la connexion, on se décourage complètement. Selon Romain, ni les opérateurs ni les collectivités ne lui proposent pour l'instant de solution, si ce n'est d'installer une fibre assez frais pour un coût prohibitif. Oups commence donc à envisager un déménagement vers une autre région.